la vidéo, s'il vous plaît. J'ai dit, les papos seront cassés. Aujourd'hui, là, il n'a pas joué le lit sans prêt. Il n'a pas joué quelqu'un dans mes paroles, excusez-moi. Si aujourd'hui, je suis vulgaire aujourd'hui, excusez-moi d'avance. Dames et messieurs, je suis Santos, la voix d'Afrique. Celui-là même qui est véridique. Je ne joue pas avec la vérité. C'est-à-dire, moi, si je vois la vérité directement, je prends ses pieds, expose. Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs bris. Mettez les cœurs, les cœurs briques. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, famille. Les Santoriens, venez en tas à bas. Venez en tas. Oui, et les Camerounais, venez aussi. J'ai deux mots pour vous. Voilà, parce qu'il paraît qu'il y a une affaire de tontine. Vous avez volé l'un d'une femme. Il y a une affaire de tontine dans vos... Vous cachez vos buzz. J'ai pris buzz là. Il est venu mettre ça ici sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, sortez. Voilà. Appelez tous les centauriens. Venez. Et mettez les cœurs. Et appelez le maudit de pasteur. Celui-là mais qui n'a rien à dire. Celui-là qui n'a pas de mots concrets. Il n'a rien à dire. Il vient, il nous embrouille. On dit, tu as fait ça. Et bâtard là. On dit, tu as fait ça. Où sont tes preuves qui vont contredire nos preuves? C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens et la voix que vous entendez, c'est moi. Et puis c'est fini. Donc toi, tu nous fais regarder toi ton visage durant 2 heures pour tout nous dire ça. Pour ne pas nous montrer port d'âme. Pour ne pas nous montrer tu. Champion, quand tu as ton PA, quand tu as ton âme et que tu as le permis, tu ne bats pas. Il a dit partager la vidéo, il va vous montrer pour moi ici. Partagez la vidéo énormément. Je vais vous montrer pour moi ici. Parce que j'ai le permis de ça. Donc, ok, papa. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le centurien. Oh, Dieu, là, il n'y a pas joué, vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, dans tous les groupes. Partagez la vidéo. Que, quoi. Hein? Donc, toi, tu nous fais regarder ton direct. Il y a dit le pasteur maudit, là. Le pasteur raté, là. Le faux pasteur. Tu nous fais regarder ton direct durant 2 heures. Jusqu'à pour 21 fois de morue. Toi, tu es malade, tu es maudit. On dit, il y a une fille, tu as abusé d'elle. Elle a 20 ans. Il y a une fille que tu as abusé d'elle. Viens expliquer sur la toile. Tu nous parles de quoi? Quels sont tes mots? Rien. Mais tu entends de 22 buts de ton direct. Tu as chanté. Tu dis, oh, cocolioco. Oh, lui, ta ça arrive. Déjà, c'était pour 21 fois de morue. Tu fais pitié. Et puis, je vois des vidéos qui sortent. Tu as fait telle délivrance. Tu penses qu'on est dans Valdé ou bien? Tu penses qu'on est dans Valdé? Famille, partagez la vidéo. Ce qui a été dit aujourd'hui, là. Quand tu as ton permis d'âme, champion, ton cœur, papa. Voilà. Pour moi, c'est en haut ici. Quand tu as ton permis d'âme, là, ton cœur, papa, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est la voix d'Afrique. Partagez la vidéo, famille. Quand tu as ton permis d'âme, ton cœur, papa, Makoso. Voilà. C'est parce que tu sais que tu n'as pas de permis que tu ne pouvais pas faire sortir ton âme. Sinon, ton âme était calée ici. Pistolet flingue que tu as là, c'était ici. Mais tu n'as pas de permis. Donc, si tu faisais sortir, c'était un buzz encore. Tu allais réveiller. Mais tu vois comment tu es incrédible. Comment tu fais pitié, Makoso. Donc, dans tout toi, ton truc là, ton direct là, tout ce que nous on a suivi là, famille, mettez les cœurs. Mais vous, donc vous ne dormez pas pour venir regarder quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais vous faites pitié dans votre vie, hein? C'est comme ça que votre vie est misérable. J'ai dit, tu ne dors pas, tu es aux arrêts, j'ai dit, tu attends à ce que la personne que tu n'aimes pas là fasse direct. Toi, tu as mes. Il ne faut pas mettre cœur de mort, tête de mort. Il faut mettre cercueil. Tu as entendu? Faut mettre cercueil. Faut mettre tête de tomate. Tête de cabri. Tu vas mélanger. Et puis tu vas te laver ça. Maudit là. Partagez la vidéo, famille. Partagez la vidéo. Il y a dit les Camerounais. Votre truc de tontine, vous êtes dedans. Qui a été volé par. Je ne sais pas. Ils ont arnaqué la grande soeur, la vieille mère, Flore de Lille là. Je vais casser ces papos là. Je vais casser ces paquets que mon frère, tu cherches travail. Ton mot dit à moi, il travaille déjà. Il vient de finir mon bar comme ça.
C'est toi qui souffres. Voilà. Tu n'as même pas mangé encore. Quelqu'un m'a fait t-shirt travail. Tu es maudit dans ta vie. Et dans ta vie minérable, tu seras la misère. C'est toi, tu me regardes. Et que moi, je te regarde. C'est toi, tu es en train de me regarder. Sinon, moi, il y a 10 ce qui est la vérité. Makoso est venu sur la toile là. Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Makoso est venu sur la toile là. Hein? Il a chanté, il a gueulé sa gueule là. Il a fait ça sur les réseaux sociaux. En poste. Moi, j'ai cru qu'il allait nous montrer les preuves qui prouvent qu'il a un permis d'âme. Moi, vous voyez mon père ici. Famille, à 100 personnes, je vous montre mon père. Attendez, il va prendre. Voilà, ma charrette est derrière. Voilà. C'est pas les petits baos, hein? C'est pas les petits. Il y a même ici. Voilà. C'est pas les flingues. À 100 personnes, il va vous montrer ça quoi. Mon quel papa, parce qu'il y a le permis de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Makoso, ta mère con matin, midi, soir. Tu as entendu? Ta mère con matin, ta mère con à midi, ta mère con le soir. Ne te fous pas des Ivoiriens. Ne te fous pas des Africains. Nous, on n'est pas, venu regarder tes ventes. Toi, tu penses que quoi? Tu as coûté? Tu es à côté? Tu penses que tu es à Makori pour vendre? Tu es malade dans ta tête? On dit, tu dis que tu as permis d'âme, non? Tu as permis d'âme à feu. Pistolet flingue que tu as là. Nyama que tu as là. Tu as permis de ça, non? On dit, il faut nous montrer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Montrer son âme là, ça fait quoi? Si tu es fier, tu es conscient que tu as le permis de ça, tu peux montrer. Moi, vous montrer pour moi. On arrive à 100 personnes. Partagez la vidéo. Même 100 près. On arrive à 100 personnes. Il y a grandi pour moi là comme ça. Il est chargé ça. Il va vous montrer ça. C'est le bâtard qui a joué ici là. Dans votre affaire de bêtises de vidéo, vous êtes dedans là. Sachez qui vous allez attaquer. Le bâtard qui a joué ici. Moi, chap pour moi là. On dupait ça. C'est pas, il n'y a pas fait de truc. Je finis ça. Chap. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire quelque chose. Il y a mon permis d'âme. Tu viens, la police vient, il dit tu m'as agressé. Il y a longtemps, toi qui es de l'autre côté là-bas, c'est Satan, tu es en train de causer à lui. Il y a longtemps, tu es de l'autre côté, c'est Satan. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont confisquer mon âme. Ils vont regarder si mon numéro de série est valide, tout, c'est fini. Tu dis que tu as ton permis d'âme et que la fille, tu ne l'as pas agressée. Il n'y a pas de problème. Maintenant, viens nous montrer les preuves contradictoires. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aucune. Tu nous montres rien. Tout ce que tu nous montres, c'est un vilain truc de... Hey, regardez ça. Ça, c'est huile de nyama nyama. Ça, c'est huile de foie de cabri. Pipi de cheval. Là. Je vends ça à 1000 euros. Je vends ça à 2000 euros. Hey, famille, ça, c'est une pommade contradictoire. Ça désinfecte l'infectulu. Ça t'envoie au paradis. Dès que tu dis bonjour à un ange, il t'ouvre les portes du paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est 4000 euros. Famille, ça, c'est cotonnette. Quand tu prends pour te nettoyer les oreilles, tu disparais, tu arrives directement au paradis. Tu salues un ange directement, tu nettoies ses oreilles, il t'ouvre les portes du paradis. Famille, ça, c'est la poudre. Vous rappelez la poudre de Eskeli. À présent, Eskeli, il est au paradis parce qu'il versait cette poudre sur lui. Matin, midi, soir. Ça, c'est 17 000 euros. Si tu verses la poudre sur toi, que l'ange te voit, tu seras blanc. L'ange est blanc, donc il te donne la route du paradis. Voici sa famille. Tu dis rien, Makoso. Tu dis rien. Si tu n'as pas de mots, là, reste caché. Tu as entendu? Si tu n'as rien à dire à la nation africaine, ces personnes-là qui prennent le temps de te regarder, reste caché. Tu as honte. Toutes ces personnes aussi aujourd'hui qui te suivaient là. Ces personnes-là sont où? Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il dit à partir de 100 personnes, je montre mon âme. Il y a peur de quoi? C'est quoi qui a mes frères ici? À partir de 100 personnes, famille, partagez la vidéo. Les centauriens, montez. À partir de 100 personnes, moi, je montre mon âme. Aïe! C'est les bâtards qui n'ont pas peur d'âme là, c'est eux qui parlent. Moi, je n'agresse pas la femme. Je ne frappe pas la femme. Jamais. Au contraire, je respecte la femme. Je respecte la femme. Je la dolote, je la chéris. Parce que la femme est une mère. Parce que quand la femme met au monde un être humain, l'enfant là va l'appeler maman. Toi-même, l'homme, tu as passé par là. Donc tu vas partir frapper la femme. Tu vas aller mettre pistolet sur la tête de la femme. Tu es maudit dans ta tête. Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dames et messieurs, c'est le centaurien, la voix d'Afrique. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il a dit à partir de 100 personnes, moi, je monte mon âme. À partir de 100 personnes. Makoso, ton père là, c'était ici. Tu nous as montré, ça s'est gonflé même. Ton père était ici, il fallait montrer ça à la nation.
tu viens nous montrer des vanoupiers, tu es malade dans ta tête. Toi, tu penses que. Donc, moi, je me disais que le gars a quelque chose de concret à montrer. Je me disais que. Tu dis quoi? Monte ton appétit. Faut batailler 400. Tiens, voici, il n'est pas montré. Toi, tu es bâtard dans ta tête. Moi, je me disais que c'est un vrai direct. On me dit, on m'envoie des messages. On dit, hé, Santos Marcos en direct. Oh. Il est en train de parler. Il est en train de parler. Il dit, il va montrer son âme. Il dit, il va montrer son permis. Marcos en direct. Je sors, je regarde. Il dit, 2 heures de ma vie que j'ai écoulé comme ça. Que j'ai perdu. 2 heures, je pouvais prendre ça pour chercher l'argent. Tu viens, tu nous montres l'argent. Genre, comme si tu es un boucantier. Tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Tu nous fais perdre 2 heures comme ça. 2 heures de direct. Et c'est toi qui crie que quand il a fait 25 millions de vues, il a fait 25. Mais comment tu n'as pas fait 100 millions de partages? Tu fais 2 heures, famille. Tu perds 2 heures. Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, allez partager. Il a dit, on arrive à 100 personnes. Il y a moi ton baron. Il y a quoi? Quelqu'un va me dire quoi? Il n'y a pas l'homme qui va me dire que, hé, hey, champion, ce que toi tu as montré, c'est illégal. Il y a tous mes papiers ici qui sont ralliés à mon baron. C'est ça, on dit garçon. Quand les gens sont en train de faire papatoyer, ils sont derrière, ils sont en train de crier. Toi, tu viens et puis tu montes. Tu fermes leur bouche. C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens, tu montes, tu fermes leur bouche. C'est ça, on dit l'homme. Mais c'est pas toi, tu gueules, ya. Makoso, tu gueules comme la bordel, au fait. Vous voyez, quand tu finis de matouiller une bordel, là, tu la payes pas, là. De la manière, elle va te poursuivre. Les mots même, elle va mettre là. Les mots, elle va mettre là. Toi, mais tu as fui. Tu gueules comme la bordel. Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Attendez, voilà, bloqué. Voilà, quand je vais te bloquer, tu vas comprendre que tu seras bloqué, mais dans ton esprit, tu seras bloqué. Et bloqué encore ce bâtard-là. Voilà, bloqué, voilà. Quand vous êtes bloqué dans votre esprit, attendez, famille. Je vais commenter ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On arrive à 100 personnes, je monte mon âme. Voilà. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. C'est quoi qui me fait peur? Il a dit, on arrive à 100 personnes. Moi, je monte mon âme. N'est-ce pas prêt? C'est là, moi, il a montré que Marcos et moi, là, hein, c'est deux mondes différents. Moi, je ne suis pas dans paille. Piaille, piaille. Il a dit, on arrive à 100 personnes. Moi, je monte mon baou. Il y a quoi? Ils vont voir, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Rien. On est en train de monter, non? Montons sur mon. Partagez, vous allez voir. À 100 personnes, moi, je monte ça. Moi, je ne suis pas dans crier. Et puis, elle venir, il a pris mon temps là pour vendre pipi de foie de morue. Il a vendu pipi de foie de morue. Keko, ça c'est poudre. Tu te maquilles avec ça. L'ange te voit directement, il te donne la route du paradis. Voici pomade moins chère. Dès que tu te frottes avec ça, Dieu te voit. Et même les gardiens du paradis, quand ils veulent te stopper, Dieu leur donne cocotta. Laisse-lui, il va passer. Vous êtes malade dans votre tête. Hein? Vous êtes fou dans votre tête. Vous êtes fou dans votre tête. Bloqué. On dirait que ça bloque pas. Hein? Mais toi, ton esprit est fort. Voilà. Attends, bloqué ça même. Voilà. Tu as comment être bloqué, non? Vous êtes fou dans votre tête. Ça, c'est quoi ça? C'est que maman et sa famille partagent la vidéo. On dirait que vous ne voulez pas que je vous montre Père Alain. Voilà. C'est maintenant la vidéo là va commencer. Merci famille, mon nom c'est Santos, je suis la voix d'Afrique, je suis l'homme même qui n'a pas peur, voilà, de dire la vérité. Je suis cette personne là qui a décidé de venir nuire tous ces faussards. Oui, parce que je n'ai pas peur, mon cœur bat pas. Voilà, quand il dit mon cœur bat pas, c'est dans un sens verbal, voilà. Pour vous dire que tout ce qui est véridique, moi je prends ça, je mets sur la toile. Et puis, il n'y a pas quelqu'un. Du moment où je suis dans la vérité, il y a mon Dieu qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Makoso, tu as aboyé. Tu dis que toi, on t'a vu dans le PV de Johnny Pacheco. Ça, d'abord, tu n'as pas parlé de ça. Ça, là, tu n'as pas parlé de ça d'abord. Tu as entendu? On t'a vu dans le PV de Johnny Pacheco pour aller nuire à Poutou National. Le pauvre petit qui t'a rien fait. Depuis que toi, tu fais ta carrière de vidéoman, vidéotique, vidéolamement talent, et tu fais ta vente de huile de foie de morue, le petit, lui, il est dans son clan, il est dans son clash, il t'a rien fait. Mais tu as quoi? Quel est, quel,
haine. Tu dis que c'est nous, on a la haine contre toi. Mais toi, tu es fou. Quelqu'un qui ne parle même pas de toi, il ne va pas voir un boing pour venir combattre contre toi. Mais toi, tu vas voir les vidéomans, les cyberactivistes. Et puis même, tu ne t'arrêtes pas là. Tu l'imposes un parti politique. Toi, tu es un sorcier. Tu es un démon. Tu es un chef démoniaque du camp démonique enragé. Quelqu'un qui s'en fout de ta vie, Makoso. Mais tu dis que tu es riche en monopoly. Tu viens nous montrer des bêtises sur la toile. De l'argent, je ne sais pas si c'est faux bien. Parce que tout ce qui est sur toi, c'est du faux. Bâtard que tu sois, Makoso. Tu viens nous dire que cette fille-là, encore, cette fille-là, c'est ta voix. Parce que toi-même, tu as dit. C'est ta voix qu'on entend là-bas. Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Cette fille-là, qui a dit que tu as abusé d'elle, là. Celle qui a dit que tu l'as menacé avec ton flingue, ton pelle que tu as là. Hein? Elle dit que tu as abusé d'elle. Tu nous dis que c'est ta voix, n'est-ce pas? Mais si c'est ta voix, c'est que c'est toi qui as menacé cette fille. Parce que si tu n'avais pas menacé cette fille là, hein? Tu n'allais pas nous dire que c'est ta voix. Et tu nous dis que c'est ta voix qui est là qu'on entend. Parce que tu n'as pas d'argument. Tu n'as rien à dire. Parce que là, on entend directement ta voix. C'est quoi tu vas cacher? C'est quoi? Tu es venu dire que ce n'est pas ta voix? Tu es maudit? Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Africains ne sont pas bêtes. Donc, on a pris 2 heures de notre temps pour venir te regarder. Tu dis que tu as un permis d'armes à feu, Makoso. Dans Abidjan, là. Toi, tu as permis d'armes à feu de 1 et puis tu as passeport diplomatique. Bâtard de ça, ton barbier, Nelly Sapré. Ton barbier, ton maudit matin, midi, soir. Tu penses que c'est toi qui es le président de la République? Tu penses que c'est toi qui as le monopole du gouvernement ivoirien? Tu n'as pas de monopole du gouvernement ivoirien. Au contraire, parce que moi, je suis champion, tu diras, mais tu vas tomber. Hé, Makoso, tu n'es pas encore né dans l'affaire de politique de papa ado. Tu n'es pas encore né. Demande un peu à Johnny, il va t'expliquer. Johnny a lu l'heure en envers. Johnny Pacheco, il a lu l'heure en envers. Il faut lui demander, toi un petit fainéant bataille, c'est ta gueule là que tu as sur les réseaux sociaux. C'est ta sale bouche de merde là que tu as. Parle comme femme. Parle comme femme. C'est ça que tu as sur les réseaux sociaux. Une petite fille de 20 ans. Ta fille là, ta fille que tu parles d'elle, là, celle qui a poussé l'essai là. Mais attends, il a fait tout, je vais prendre son numéro. C'est que je vais montrer en bas d'elle là. Toi-même, tu ne vas plus reconnaître. Sa démarche là, je vais transformer ça. Je vais la rendre Adama Nato. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais rendre ta fille Adama Nato. Attends, tu vas voir. Et je vais finir ça, je vais venir exposer ça sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Si moi, je ne suis pas passé par là, n'est-ce pas prêt? Si moi, je ne suis pas passé par là, tu vas voir. Famille, je vous avais dit que... Je vous avais dit à partir de 100 personnes, je vais montrer mon direct. Attendez, j'enlève la cartouche. À partir de 100 personnes, je vous ai dit que je vais montrer mon âme. Il n'y a pas de problème. Attendez, je débarque. Il y en a pas cartouche. Voilà. Quand tu as un port d'âme, quand tu as un permis d'âme, ton cœur bat pas. Tu as entendu? Je monte. Vous voyez mon papier ici de port d'âme? Tu as un permis d'âme à feu, ton cœur papa. Voilà, je vais montrer mon papier pour te montrer que ce que tu étais en train de faire, le bavardage que tu étais en train de faire là, nous on s'est fait ça. Hein? Pardon, laissez. Attends. Attendez, famille. Voilà. Voilà. Makoso, je ne vais pas montrer ici mon nom. Mais je vais te montrer mon permis d'âme. Voilà. Je ne vais pas montrer ici mon nom. Un bâtard que tu sois. Tu vois ces deux papiers. Ces deux papiers là. Je ne vais pas montrer ici. Tu vois. Ça c'est mon permis d'âme à feu. Et voici mon engin ici. Voici mon engin. Voici la cartouche que j'ai. Voilà. Voici mon engin. Bien. En sokalawa. Bien. Bien peleles. Zo! C'est ça, dit garçon. Bâtard que tu sois. Zo, c'est ça, dit garçon. Viens pas piailler, chialer sur les réseaux sociaux. Tu es malade. Tu penses que nous, on est là pour s'amuser? Tes bêtises que tu as là. Tu penses que c'est ça qui est âme? Voici la cartouche. J'ai deux comme ça.
C'est là. Je vais me sens. Je vais. Attendez. Vous voyez, ça job. So, le bâtard qui a joué. Il est fait pour lui, so. C'est 110 garçons, Makoso. Il a montré mon papier. J'ai montré son truc. Voici son emballage qui est en bas. Quand tu regardes l'emballage là, hein, c'est gros comme ça. C'est gros. Tu mets ça, tu fais coucher. C'est ça en dit garçon. Tu as entendu? C'est ça là en dit garçon. Mais c'est pas venir prendre. Tu dis que c'est un permis d'âme. Et puis tu vas venir prendre un alcool. Hey, venez, je vous donne. Tu vas au paradis. Tu es malade. Tu penses que nous on est là pour jouer à toi? Tu penses qu'elle est là pour te regarder ta face là? Andy, tu as violé une petite fille. Andy, tu as violé une petite fille de 20 ans. Viens répondre de ça avec âme à feu. Tu viens, tu caches. Quelqu'un, j'ai mon âme à feu. Donc, c'est ta sale gueule là. Tu ne mets pas responsable. Sale père que tu sois. Tu fais honte. Makoso, tu fais honte. C'est pour cela qu'on te dit que tu n'es pas ivoirien. Parce que vrai ivoirien là, il allait montrer son PA. Et puis, il allait montrer son âme. C'est de ça qu'il s'agit. Vrai ivoirien, il allait montrer son PA. Et puis, il allait montrer son âme. Comme pour moi ici. Ça, c'est vrai ivoirien. Toi, tu n'es pas un ivoirien. Retourne chez les Congolais là-bas. Retourne chez les Togolais, bâtard que tu sois. Toi, tu peux faire quoi à Poutou? Tu peux faire quoi à Poutou? Tu peux faire quoi? Essaie seulement. Il faut toucher même cheveux. Il y a dit, grain de printi. Il y a dit, même moustache de Poutou, il faut toucher. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Petit bâtard là. Un vilain homme comme ça, qui vient vous embrouiller sur la toile, qui vient vous mentir. Et puis, je vois une maman. Oui, je vois une maman. J'étais même étonné. Jusqu'à mon étonnement. A crié, ouais, ça là, c'est le papa du siècle. Mais maman, toi, imagine, c'est ton enfant qu'on abuse d'elle comme ça. Imagine, c'est à ton enfant qu'on met une arme à feu sur elle. Toi, tu vas accepter ça? Que quand Makoso fait des dons. Mais moi, il peut faire des bêtises au dehors. Il peut faire des bêtises au dehors et puis faire des dons. Vous allez dire quoi? Famille, partagez la vidéo. Je peux faire des bêtises au dehors. Vous allez dire quoi? Et puis venir faire des dons. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Que genre, je suis trop blanc. Je suis blanc. Moi, tout ce que je fais, je n'ai pas de totem. Je n'ai pas de péché. Ok, laissons l'histoire de la fille. Laissons l'histoire de la fille. Prenons l'histoire de la femme qui a été giflée. Quand Makoso faisait ses bêtises de recoupement. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas quoi. Son maudit à tout ça là. Elle, il a giflé la femme. Parce que pour lui, la femme ralentissait. Elle ne marchait pas bien quand il l'appelait sur le podium. Pour la délivrer. Makoso, tu es un maudit. Makoso, tu es le diable en personne. Moi, je te dis ça. Mais là, si tu es trop fâché, décembre, je serai à Abidjan. Tu me donnes rendez-vous. Je pense que tu es venu commenter ici, non? Donc, tu regardes mes vidéos. Décembre, tu rentres, il a te donné mon WhatsApp. Toi et puis moi là, on voit si ce qui est là, c'est quoi qui est compétent avec petit nyama nyama que tu as attrapé là. C'est là, on voit clair dedans. Mais, pour moi, mon rendez-vous là, il n'est pas venu à ça. Parce que moi, mon permis, c'est ici. Le pays où je suis là. C'est là que j'ai le droit de prendre ça. C'est là que j'ai le droit de m'en servir. Donc, tu penses que tu es trop bas bien, que tu es dans le même pays à moi. Champion, viens, il a te donné mon adresse. Tu n'as même pas pris l'escalier même pour venir chez moi-même. Il y a longtemps, tu es ce Dieu. Ninala. Makoso. Donc tu penses que si tu penses que tu es trop babier, tu es trop bâtard. Que tu penses que tu as le monopole des Ivoiriens ou des Africains. Champion, moi, tu es dans rendez-vous, Makoso. Je te jure. Coup de poing sur coup de poing. Je te fais l'île en ralenti. Je vais te faire l'île en ralenti. Et ce jour-là, tu vas faire une recette. Une recette, il a dit, ça sera l'histoire de ta recette de une torsion de je sais pas quoi là. Tu vas faire une recette, toi-même tu as dit, ouais Dieu, le petit là, ouais il m'a délivré. Je vais te boxer comme du n'importe quoi, bâtard que tu sois. Un frauduleux comme ça, vous êtes derrière lui. Et je vois une maman aussi qui fait vidéo, que elle est Makoso, mais attends, quand il va enlever qu'à le son de ton enfant là, tu vas venir me dire que tu es Makoso. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il va enlever qu'à le son de ton enfant, et puis son petit nien qui est en bas de lui là, il va mettre ça dans tout de ton enfant qui est vierge, tu vas venir me dire que tu es Makoso. C'est de ça qu'il s'agit.
que quoi les macos soient vie. Maman est consciente. Nous les parents, nos papas sont en train de griller, ils luttent pour vous donner les 5 000, vous vous cotisez pour aller dans je sais pas quoi, regroupement de Makoso. Vous faites pitié. Vous ne ressemblez même pas à une mère. Toi, mère, tu te dis que tu es mère. On parle d'une petite fille de 20 ans qui a été agressée, qui a été menacée. Et tu prends la peine de faire une vidéo pour défendre ça. Quel est le moral que tu donnes à cette mère? À la mère qui a vu sa fille menacée. Parce que sa fille n'a pas de force. Elle n'a pas de pouvoir. Elle n'est pas riche comme vous là-haut. Vous vous dites que vous êtes riche. Vous avez des pouvoirs. Vous là, c'est le gouvernement là, c'est pour vous. Sa fille n'a pas ça. Elle n'a pas de relation. Une pauvre fille. Une pauvre petite fille de 20 ans. On parle de ça, vous venez me montrer. Toi, tu penses qu'il y en a à côté, Abraham à côté? On dit, tu as fait un acte. Viens montrer les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. On dit, tu l'as menacé. Viens montrer les preuves. Tu passes 2 heures en train de vendre huile de foie de morue. Tu te fous de l'homme ou bien? Tu es malade dans ta tête? Barthélemy, il y a beau que tu sois. Batracien que tu sois. Voleur. Il a dit, il sera habité en décembre. En décembre, il sera à Abidjan. Et puis, il va faire direct ici à Abidjan, Makoso. Pardon. Tu penses que tu es trop garçon. Moi, je suis prêt pour toi. C'est vrai que Apoutu, il a laissé, il a déposé les armes. Apoutu dit, il ne va plus parler de toi. Mais moi, ne lis ça prêt. Tu penses que c'est toi qui as ton relation, non? Moi, il y a une voix claire dedans. Moi, seulement, moi, il y a une voix claire dans toi, ta relation, là. Papa Toya, que tu sois international. Tu es parti là-bas poser la poids sur les Camerounais. Les Camerounais ont loupé. Les 7 cannes, là, c'était pour les Camerounais. Cette canne-là, c'était pour eux. Mais c'est tellement que tu as maudit quelqu'un qui prend la peine de prendre une Bible et de jurer que voici la Bible. Voici la Bible. Si moi, je suis rentré dans PV, si j'ai demandé à Johnny Pacheco de nuit à Poutou National, Dieu a quand même maudit un pasteur qui fait ça et puis vous le suivez. Un pasteur qui fait ça et puis vous le suivez. Hein? Voici la Bible. Voici la Bible. Et puis Johnny Pacheco vient montrer que exactement il a fait ça. Johnny Pacheco vient nous montrer que oui, champion, tu es rentré dans son PV pour aller demander à ce qu'on nuit la carrière de Apoutou. Tu n'as pas honte, toi? Depuis quand tu es sur les réseaux sociaux? Depuis 1900, il a dit, depuis même que Facebook a activé monétisation sur Facebook, là, toi tu es dessus. Parce que toi là, Tout ce dont tu es en train de faire là, c'est la visibilité des personnes qui sont en train de regarder tes bêtises là. C'est l'argent de huile de foie de morue là. C'est ça que tu prends pour faire don. Toi, tu as fait quel don? Tu vas faire quel don? Tu soulèves un débat. Viens finir le débat, tu es en train de rouler en nous. Tu es malade? Tu penses que nous, on est ton bus de Sotra? Tu penses que nous, on est ton bus de Sotra? Tu es malade? Toi, tu es vagabond comment? Hein, tu es vagabond comment? Patracien. Il y a dit, t'es dans le rendez-vous, champion. Tu penses que tu es trop bête, non? Il y a dit, toi et moi, non, buzz, là, on fait ça dans Abidjan, là. Toi et moi, non, buzz, là, on fait ça dans Abidjan, là. Tu dis qu'on recherche la petite, non? On recherche la petite fille, ils vont la trouver. Ils vont trouver la petite fille, là. Ils vont la trouver. Et je vois un bête de, comment il s'appelle, Yaka Yaka de Niel Paris. Il met sa bouche là aussi. L'homme qui parle à l'envers là. Toi que ta bouche est sur ta tête là. Toi aussi tu viens parler. Toi on t'a vu marcher dans Abidjan là. Dans Paris là. Hein? On t'a vu marcher. Vois-tu que tu es en train de louer matin, midi, soir. Tu fais vidéo dedans. C'est pas ta voiture. Donc là, faut aller souder ton anus. Tu as entendu? L'homme qu'ils ont pris sa dignité là. Va refaire ton anus. Tu as entendu? Avant de venir mettre ta sale, vilain bouche qui est tordue là. Dans l'affaire de Apoutou. Toi, tu dis c'est ton neveu. Donc, toi, tu fais honte. C'est toi seul, tu fais honte. Tu as entendu? Moi, quel que soit ce qui va se passer sur un membre de ma famille, je vais toujours défendre cette personne. Mais tellement que toi, tu as honte, tu es un bête confirmé. Tu es un bête confirmé. C'est-à-dire, comme il s'appelle, l'unique à toi rougir ton anus. Ou l'unique à toi rougir ton anus là. Donc toi là, tout ce qui sort de ta bouche là, ça n'a pas de dignité, c'est pas la vérité.
dont il ne sait pas comment on fait pour défendre un membre de la famille. Si tu ne peux pas défendre un membre de ta famille, parce que Apoutou National, c'est ton neveu. Si tu ne peux pas le défendre, champion, ferme ta gueule. Il ne sait pas si elle t'appelait il ou bien si elle t'appelait elle. Mais ce qui est sûr, toi là, c'est pas ton cuit, on peut te situer. C'est pas ton cuit, on peut te situer. Parce que tout ce que tu sais faire, c'est d'aller présenter ton cuit devant l'unique. Parce que c'est lui qui te m'applore. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'unique qui te fait courber comme ça. Et puis il ambiance. Tu as fini de commander les trucs ici. Tu as fini de commander les couches. Tu as venu parler aussi d'un truc de Apoutou. Va commander tes couches là. Yaka yaka. Va commander tes couches. Tu as entendu? Et puis ferme ta gueule d'en faire de ça. Parce que c'est une fille ici qui a été abusée. Donc on parle de ça. Donc quand on parle d'abus, il est de mon devoir, en tant qu'homme d'Afrique, de venir dénoncer les faits. Donc yaka yaka, cette fille-là, elle a une dignité. Toi, tu n'as pas de dignité. Tu as entendu? Cette fille-là, elle a une dignité. Toi, tu n'as aucune dignité. Parce que garçon qui s'abaisse devant son ami garçon, la dignité est où? Un garçon qui s'abaisse devant son ami garçon, où est la dignité? Hein? Tu n'as plus de dignité, champion. Toi, ta chance, ils ont déjà pris ça. C'est Coco qui a te fatigué à l'aile. C'est Coco, Coco qui te fatigue, champion. Donc, il faut aller payer. Il faut aller faire une mesure de ton pirigeois. Tu vas commander ça. Tu vas commander dans un village guéri. Ils vont te livrer ça en France. J'ai un ami guéri ici. Tu peux entrer en contact avec lui. Mais je n'ai pas dit qu'il faut partir le baiser. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut partir présenter son cuir derrière, devant lui. J'ai un ami guéri. Comme les guéris sont forts dans pirigeois, ils vont te présenter les différents détails. Parce que apparemment pour toi, on doit faire ça sur mesure. Parce que ton cuir coule. C'est de ça qu'il s'agit. Pour toi là, ton pirigeois, on doit faire ça sur mesure. Parce que ton cuir est tellement large, yaka yaka. Tu ne peux pas venir parler ici. Tu es malade, ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Senteur de caca que tu sois. Toi, tu as venu parler d'affaires là. Tu es fou? Tu es fou? Mais si ton pirigeois est un lot de goudron, tu ne peux pas venir parler ici. Toi, tu n'as aucune dignité. Tu as venu parler de quoi? On dit que c'est une femme qui a la dignité. Une fille qui a emmené, engendré un être humain qui dit haut et fort que quelqu'un qui pense qu'il a le monopole, qu'il a le pouvoir, elle a été abusée par cette personne-là. Parce qu'elle a mal, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a aucune personne qui est dans le gouvernement, elle n'a aucune personne qui est dans la police, elle n'a aucune personne qui est mieux placée. Elle est pâle, elle crie, c'est tout son pouvoir-là qu'elle a d'aller voir Apoutou, il va dénoncer ce bâtard de pasteur. On parle de ça, toi aussi, toi, tu as venu parler. Quelqu'un qui suspine. Quelqu'un qui sustole. Toi aussi, tu as venu parler. Toi aussi, tu as venu parler, yaka, yaka. Tu es fou ou bien? Tu es fou? Tu t'es banné pour venir? C'est le chat que tu as fumé? Tu as fumé le chat? Yaka, yaka, tu as fumé le chat? Hein? Quelqu'un qui ne peut pas bien s'asseoir. Quelqu'un qui s'assoit sur un côté pour chier même ses problèmes.